un exemple très récent. Vous êtes exercé vos fonctions de juge en qualité de membre du tribunal suprême. Le tribunal suprême, dont je salue la présence du président Lucas Charles. Vous êtes donc, j'ai une petite étape très proche de vous. Car j'ai la faiblesse de considérer que lorsqu'on a été magistrat, on le demeure jamais. Nous réjouissons donc de votre présence ici aujourd'hui et vous en remercions très vite.
princes Honoré IV et Honoré V instituèrent des tribunaux propres à la principauté, dont les fondements reposaient sur le code Napoléon. Dès le 22 mars 1815, le prince, dans son ordonnance sur l'organisation judiciaire, conférait aux juges l'inamovibilité, premier bastion de l'indépendance des magistrats. Dans les ordonnances des 14 avril 1857 et 10 juin 1859, cette inamovibilité était rappelée et un principe encore plus important a été consacré textuellement, celui de l'indépendance absolue du juge. Par ordonnance en date du 2 juin 1898, le prince, qui connaissait le dernier coup, s'adjoignit un conseil de révision composé de ministres, lequel en 1930 deviendra la cour de révision telle que nous la connaissons actuellement. C'est en 1909 qu'il fut instauré le droit d'appel et donc créé la cour d'appel. Et en 1911, qu'il fut donné au tribunal suprême la mission de veiller au respect de la Constitution. Dès la Constitution du 18 décembre 1917, le prince prononçait la séparation des pouvoirs afin de renforcer l'indépendance des magistrats. Par ordonnance du 9 mars 1918, a été instituée la fonction de directeur de service. Cette indépendance se voyait à nouveau renforcée par la Constitution du